Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue à suivre ce dernier numéro de la semaine de ce 2 mars 2024 en direct de la ville de Goma sur Congo Live Télévision, votre chaîne que vous aimez tant, auquel vous êtes abonné. Vous disons bienvenue les dames et messieurs. À ce jour, notre invité du jour, Monsieur Moïse Hangi, analyste indépendant, acteur de la société civile, habitant de la ville de Goma, natif du territoire de Masisi, notre invité du jour. Bonjour Monsieur Moïse et bienvenue sur Congo Live Télévision. Bonjour à vous, très cher David. Bonjour très chers téléspectateurs de Congo Live Télévision. Très chers compatriotes de la diaspora congolaise, vous qui êtes en Europe, aux États-Unis, vous êtes à Paris, vous êtes en Angleterre, vous êtes en Allemagne, vous êtes en Belgique, vous êtes tout de même ici à travers les continents africains, au Cameroun, au Ghana, à Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud et partout dans les cinquantaine des pays africains. Vous êtes aussi ici en RDC, en République démocratique du Congo, précisément ici à l'est de la RDC, à Kinshasa, dont la capitale. Vous êtes à Bukavu, vous êtes aussi à Kisangani et partout à travers la RDC, notre très cher et bon pays. Bonjour très chers compatriotes, bonjour aussi à nos dignes fils et à nos familiers qui sont dans les territoires des Masisi, victimes de ces affres et de la guerre. Dis-nous un peu, Monsieur Moïse, ce matin, la ville de Goma, comment elle se réveille, la calmie et tout le reste, comment se porte la ville touristique de Goma? Pas mal, on est là, les Gomatraciens se portent à merveille, malgré effectivement les bruits des bottes et les quelques effectivement agitations qui sont entendues et observées dans les alentours de Goma. Mais quand même, on tient tête haute et nous sommes là, nous n'allons pas fuir Goma, on reste ici jusqu'à ce que effectivement l'autorité de l'État soit rétablie dans les environs de la ville et nous espérons que ça va aller. Dites ça va vraiment aller. Monsieur Moïse, avant d'en parler de la situation sécuritaire à l'est de la République, avant que plusieurs questions vous reviennent, Venade Youssoufou Kibingila David, que je suis à cette présentation, parlez-nous-en un peu d'une manière générale de ces trois territoires. Quelle est la situation actuelle? Tracez-nous la situation, monsieur. Merci, monsieur les journalistes. À l'intention de tous les téléspectateurs qui nous captent à pareil moment, je voudrais ici vous dire, très particulièrement en ce qui concerne les territoires de Masisi, le rebelle du M23, au cours de la journée d'hier, ont largué des bombes à Mubambiro qui ont causé la mort de trois personnes et des blessés. Vous vous souviendrez que c'était pendant que les généraux issus de la SADC, des pays contributeurs de la SADC, la mission régionale de la SADC, séjournaient dans cette partie de la province que les rebelles du M23 ont tenté effectivement de saboter leur séjour en ciblant effectivement des attaques contre les populations civiles. Nous adressons nos condoléances le plus attristé aux familles des victimes, et aux familles effectivement des illustres disparus, victimes de cette barbarie rwandaise de M. Paul Kagame et de l'Ouganda de Museveni. Nous avons aussi été alertés en rapport effectivement à la situation relative à plusieurs tracasseries qui sont observées dans le même territoire. Là, nous sommes dans les Masisi. Je suis désolé de vous le dire, nos compatriotes qui traversent plutôt la partie contrôlée par les forces armées de la République démocratique du Congo paient plus de taxes que ceux qui sont aux côtés des rebelles du M23. Pas pour autant que je vais légitimer effectivement la rébellion du M23 ou leur sale besogne, mais j'en appelle en tout cas à la responsabilité vis-à-vis de nos militaires qui effectivement contrôlent les côtés congolais. Je pense que c'est important de pouvoir solidariser et de pouvoir plutôt ne pas faire souffrir cette population meurtrie par les affres de la guerre. Il y a plusieurs barrières qui sont tout au long de la route Goma à Masisi et je crois que les autorités devraient se pencher par rapport à ça. Une autre situation dans les Masisi, messieurs les journalistes, vous devez comprendre que les rebelles du M23
tente toujours de reconquérir la cité minière de Rubaya. Ça reste en tout cas une préoccupation majeure de la population de ces coins. Moi-même, je reçois des alertes, ça et là, qu'on pourrait appeler les autorités à pouvoir tout mettre en œuvre, en fait, d'encercler et de bien sécuriser ces sites miniers. Vous savez, une fois ces aventuriers se retrouvent là-bas, c'est l'hécatombe parce qu'ils vont financer leur guerre et nous serons des victimes aussi à un degré qu'on ne pourra pas effectivement imaginer. Ça, c'est par rapport au territoire de Masisi. Nous saluons à travers effectivement à cette occasion le séjour qui a été organisé par le chef d'état-major de tous les pays de la SADC dans cette partie. Dans le territoire de Nyiragongo, il faut juste comprendre que jusqu'à présent, les rebelles du M23 se réorganisent non loin de, effectivement, du parc, tout autour du parc d'ailleurs, en provenance du Rwanda, ils se retrouvent dans les parcs et c'est là où ils s'organisent et essaient un peu de se partager les zones. Moi, je continue à attirer l'attention très particulièrement du gérant du parc, Emmanuel Demerode, c'est lui effectivement qui est le gérant de l'ICSN, à pouvoir plutôt nous aider à mettre fin à cette situation. On ne peut pas comprendre que le parc national de Virunga, qui est un patrimoine mondial de l'UNESCO, un aire protégé, soit aujourd'hui le bastion de la rébellion du M23. Évidemment, c'est un grand parc, mais je crois que Demerode devrait faire un effort, effectivement, de nous aider à ne pas faciliter les rebelles du M23 dans ce sens-là. Aujourd'hui, messieurs les journalistes, soit c'est dans les parcs, soit c'est à travers les Rwanda que les rebelles nous attaquent. Et s'organiser. Mais vous faites ce que parler, on parle que le rebelle attaque, mais il n'y a pas de réplique. Pourquoi la RDC ne réplique pas? Pourquoi les Rwandais se trouvent à quelques mètres de la ville de Goma, monsieur Moïse? Non, il faut retenir. Pourquoi ne se décide pas sur cette affaire? Monsieur le journaliste, il faut fixer l'opinion et dire ce qu'il y a, et plutôt l'inverse. Ce qui est sûr, c'est que la RDC réplique à travers les jeunes Ouazalènes. Je suis même content et je veux vous dire ici que même le FARDC, ces derniers temps, essaie un peu de contre-attaquer. Plutôt, on souhaiterait évidemment, tel que vous le dites, qu'il y ait plutôt une démarche offensive, que nous ne soyons pas là juste pour contre-attaquer, parce que là, c'est comme pour dire, vous gardez vos positions et dès lors que vous êtes effectivement la cible des attaques où on vous provoque, c'est maintenant que vous interagissez, allez-je dire. Mais c'est mieux que ça soit plutôt l'inverse, que ça soit les FARDC qui lancent les attaques directes contre l'opposition des rebelles du M23, plutôt que ça soit nous qui réagissons en second lieu, parce que là, nous sommes en position de faiblesse. Mais il faut aussi féliciter les jeunes, parce que pour les FARDC, il faut respecter l'ordre de l'hiérarchie, mais pour les Ouazalendo, en tout cas, ils réagissent, allez, je dis, vous êtes au courant de l'embuscade qu'ils ont tendue à un grand responsable du M23 et qui a succombé de ses blessures. Moi, je félicite les jeunes parce qu'ils ont ce monsieur-là, et c'est un ouf de soulagement pour nous vis-à-vis de cette prouesse des jeunes Ouazalendo. Donc, dans les Nyiragongo, le grand problème, c'est en tout cas les parcs. Moi, j'ai dit, les parcs, c'est devenu plutôt un danger pour nous, alors que c'est un air protégé qui, effectivement, sert presque toute l'humanité en faune et en flore. Vous savez qu'aujourd'hui, si la terre respire, c'est parce qu'il y a les Congo qui a effectivement plusieurs aires protégées, plusieurs parcs qui servent l'humanité en oxygène et à tout ce que vous savez, même en matière effectivement environnementale. Et que donc, moi je pense que Demerode, j'y reviens, Demerode nous doit des explications. Soit il aide la République à bien sécuriser les parcs, soit il décline sa responsabilité. Deuxième chose, en rapport à troisième territoire très spécifiquement, par rapport à ce qui se passe dans les Rutshuru, je vais vous dire ici avec toute honnêteté que Rutshuru, une partie de Rutshuru, demeure toujours sous le contrôle des rebelles du M23. Nanga lui-même a tenu des meetings dans les mêmes territoires. Le premier, c'était à Bunagana, vous l'avez vu à travers les vidéos qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux, virales plutôt. Vous avez aussi remarqué que dans les Rutshuru Centre, cet aventurier, ce sanguinaire, ce traître a tenu un autre meeting.
Et nous, nous sommes entrés effectivement d'en appeler au gouvernement à pouvoir ne pas les laisser continuer avec cette blague. C'est facile de mettre la main sur cet aventurier. Comme ça, on va les pendre publiquement et il va aussi sentir que le peuple congolais... Mais effectivement, il ne mérite que la pendaison. Pas même la prison. Il a trahi la RDC et aujourd'hui, on ne les compte plus parmi nous. Moi, je vous dis que nous devons faire en sorte que l'on les maîtrise. Effectivement, on sait tous qu'il est soutenu par le Rwanda. Parfois, il est dans des hôtels à Kigali, et même en Ouganda. Mais c'est possible que si le gouvernement se décide, en tout cas, de tout mettre en œuvre, qu'on neutralise ces messieurs. Par exemple, si le gouvernement peut octroyer une cagnotte aussi considérable à un jeune Muzalendo qui pourra maîtriser Corneille Nanga et pourra recevoir effectivement des encouragements. Ce serait une œuvre. Ils sont à mesure de le faire. Nanga, monsieur les journalistes, Nanga, ce n'est rien. On a connu des grands messieurs dans ce monde et dans la ce pays. La tête M23 à cette heure, c'est Nanga qui contrôle. Non, on l'a mis à la tête de cette rébellion comme pour vouloir légitimer effectivement les militaires. Quelle tactique, Nanga, c'est un civil comme vous, monsieur les journalistes. C'est maintenant qu'il a rejoint la rébellion. Il est en train de porter le tenue militaire comme pour montrer qu'il est devenu un gentleman, mais on le connaît, monsieur les journalistes. Il a même promis d'arriver jusqu'à Kinshasa. Ah bon, ça s'appelle rêverie. Depuis qu'il arrête de raconter ni n'importe quoi. Nous sommes désolés par le fait qu'il a tout réussi de la République, mais il a décidé de trahir le pays. Et aujourd'hui, on ne le compte plus parmi nous. Et je vous assure qu'on n'a pas peur de lui. La RDC, c'est tout un État. Contrairement à cette rébellion qui est soutenue par le Rwanda et l'Ouganda. Donc moi, ma préoccupation, c'est d'appeler effectivement les autorités à pouvoir donner un peu d'encouragement et une certaine motivation aux jeunes Wazalendo. Comme ça, vous verrez, il y aura un jeune qui va devoir effectivement maîtriser Nanga. Ça, je vous le promets, et vous verrez ici. On va l'amener jusqu'à Goma. Peut-être on va les pendre au niveau du stade Afia ou de l'Unité. Mais ce qui est sûr, c'est que comprenez en fait notre émotion, comprenez notre passion envers le Congo. Et ce que nous disons par rapport à Nanga, c'est le résultat d'une colère, et effectivement, d'une indignation qui nous anime. On ne peut pas, on ne comprend pas qu'est-ce qui est derrière ce monsieur. Il a tout réussi de la République. Et s'il peut avoir des concessions et des clauses avec les pays, Nanga n'est pas le seul qui a accepté d'aller chez eux. Écoutez, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a qui disent que non, Nanga a des revendications. Il aurait eu des engagements avec les présidents Tshisekedi, lesquels engagements n'ont pas été respectés par le chef de l'État. Voilà pourquoi il a rejoint la rébellion. Mais est-ce que pour revendiquer ce qui vous revient, il faut vraiment aller dans toute une rébellion comme l'M23? Est-ce que pour demander effectivement quelque chose au pays, il faut faire ça? Je ne pense pas. C'était très facile pour lui d'utiliser les moyens pacifiques et non violents. Comme ça, la République devrait effectivement le remettre dans ses droits. J'apprends qu'il y aurait des carrés miniers et que sais-je. Mais tout ce que moi je demande ici, c'est que la RDC prenne ses responsabilités en main. Que le gouvernement essaie un peu de tout mettre en œuvre pour que nous puissions mettre fin à cette guerre. C'est même par là où il y a une question de savoir jusqu'à quand le gouvernement congolais cessera de parler, de passer à l'action. Jusqu'à quand? Bon, je crois que le gouvernement fait quelque chose. Il faut être quand même insensé pour ne pas reconnaître cela. Il y a quand même les efforts qui sont fournis, mais le résultat escompté n'est pas encore là. Voilà pourquoi nous continuons à l'appeler à pouvoir multiplier plus d'efforts. Mais vous savez maintenant que le gouvernement, à travers même plusieurs de nos propositions, le chef d'état-major général de l'armée, il est ici à Goma. Nous sommes avec lui ici présentement. Le porte-parole de l'armée, il est aussi ici. Le chef d'état-major de tout le pays ici de la SADC qui sont là, c'est parce que nous n'avions cessé de demander effectivement leur présence et espérons que avant leur arrivée ne sera pas après leur arrivée, la donne va changer. Nous espérons qu'ils vont quitter ici et laisser effectivement quelque chose, l'empreinte indélébule au nord qui vous tient. On serait décis si tous ces officiels peuvent quitter la ville de Goma et que la situation reste comme telle. Une question sur une situation, comme vous avez évoqué la présence de ces généraux dans la ville de Goma. Il faut en parler, ils sont là depuis jeudi. Je rappelle bien à tous les téléspectateurs, il y a des généraux qui se trouvent dans la ville de Goma, de tout le pays, membres de la SADC, qui sont actuellement en RDC, c'est-à-dire le Malawi, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, la RDC, y compris le Burundi qui est venu
à l'aide de son frère RDC, on peut le dire, je ne sais pas si on peut le dire ainsi. Ils sont arrivés, avant leur arrivée, sur les lignes de front hier dans le Masisi. Les rebelles du M23 ont largué tout au moins 5 bombes. Une précision de taille avec Sylvain Ekenge qui nous a communiqué ça, que c'était au moins 5 bombes. Monsieur Moïse, quel est le message que les M23 voulaient faire passer à ces généraux avant leur arrivée aux lignes de front tout en larguant ces bombes? Je l'ai dit d'entrée de jeu, tout ce que les rebelles du M23 ont voulu faire, c'est de saboter ce séjour de ces hauts responsables de toutes ces armées. C'est loin de là, messieurs les journalistes. Ils ont voulu montrer au monde comme quoi ils s'en fichent de leur présence et jeter de l'opprobre, effectivement, vis-à-vis de ces hauts responsables de toutes ces armées. Mais je crois que le monde entier comprend effectivement qu'ils sont aux abois et que fin de fin, ils vont finir par effectivement retourner de là où ils sont venus. J'ose croire personnellement que ce jour sera effectivement d'une importance capitale et que la province va effectivement essayer un peu, la situation va essayer un peu de s'améliorer. Nous comptons aussi les rencontrer si il y aura possibilité, il y aura, pour essayer un peu de les soumettre un certain nombre de propositions et les desiderata de la population de Goma. Nous sommes quand même des jeunes d'ici à Goma, nous suivons la situation de près et nous essayons un peu aussi d'analyser et d'interpréter les enjeux autour de cette guerre. Personnellement, c'est en tout cas mon souhait, rencontrer tous ces hauts responsables de l'armée pour les soumettre effectivement toutes ces revendications et quelques stratégies de nature à nous permettre de recouvrer la paix. Mais ce qui est aussi sûr, c'est que je souhaite que ces responsables se dirigent dans tous les coins et recoins, qu'ils ne se limitent pas seulement pour le territoire de Masisi, mon territoire, notre territoire à nous tous, parce qu'il n'y a pas de Congo sans Masisi, il n'y a pas de Congo sans Rutshuru, il n'y a pas de Congo sans Bunagana, il n'y a pas de Congo sans Kasai, sans Kinshasa, sans toutes les provinces. Je suggère ainsi donc que les responsables de toutes ces armées se dirigent aussi dans les Nyiragongo, précisément dans les parcs, et au niveau du territoire de Rutshuru, au besoin aller dans le Rutshuru centre avec toute une grande ceinture militaire. Comme ça, peut-être qu'on peut déloger les aventuriers du M23 à cette occasion. Et même, pourquoi pas, Bunagana, messieurs les journalistes. Je crois que c'est possible. Vous êtes capable de le faire? C'est possible, je vous assure. On finit par la vie que mène le déplacé de guerre. Là, on sera en train de finir cette belle émission sur Congo Live Télévision. Une question de savoir pourquoi le gouvernement congolais délaisse jusqu'à ce point les déplacés de guerre. Il ne se soucie pas de la vie que mène les déplacés. J'en rappelle ici bien qu'hier, il y a des mamans victimes de viols qui ont manifesté, qui ont fait un point de presse pour démontrer tout ce qui est en train de se passer à leur égard suite à la guerre qui se passe à l'est de la République. Alors une question de savoir, M. Moïse, pourquoi le gouvernement congolais ne s'investit pas trop dans l'affaire de déplacer de guerre? Alors, tout en saluant les messages très forts et particuliers de toutes ces mamans qui ont organisé effectivement une activité ici à Goma, toujours en faveur des victimes de ces affres de la guerre, je pense que le gouvernement, il se soucie un tout petit peu. Ça, c'est évident, c'est normal et c'est concret. Moi, je ne peux pas dire ici que le gouvernement ne se soucie pas. Plutôt, ce qu'il faut retenir, c'est que l'apport du gouvernement jusqu'à présent n'est pas aussi à la hauteur du besoin humanitaire qui prévaut ici à l'Est. Il y a plusieurs déplacés, mais le gouvernement ne se mobilise pas, en fait. Et moi, je pense que c'est ce qu'il nous faut pour parvenir effectivement à contenir effectivement le besoin humanitaire qui prévaut en province. Toutefois, j'ai appris que Kinshasa compte dépêcher une mission d'urgence ici en province qui connaîtra le VPM, le porte-parole du gouvernement, le ministre des Affaires humanitaires et sociales et d'autres hauts responsables du gouvernement. Peut-être qu'il y aura une cagnotte qu'on va en tout cas apporter aux déplacés de guerre et c'est ce que nous voulons. Messieurs les journalistes, je pense que le gouvernement fait quelque chose, mais ce n'est pas suffisant. Nous l'appelons à pouvoir multiplier plus de fonds.
Ce qui est aussi sûr, c'est que nous appelons toute personne de bonne foi, très chers compatriotes de la diaspora. C'est bien beau de discourir, c'est bien beau de vous donner les informations et que sais-je, mais c'est plus intéressant de faire un geste. C'est déplacer des guerres qui sont dans des cas, au-delà des encouragements, au-delà effectivement des messages, allant dans le sens de les motiver, ils ont besoin de quelque chose. Parce qu'ils n'ont rien. Ils habitent dans des maisons de fortune. Ils habitent dans des bâches trouées. Très chers téléspectateurs, vous ne pouvez pas avoir grand-chose. Mais je pense que vous pouvez avoir quelque chose qui peut aider ces gens. Vous êtes en Angleterre, vous êtes à Paris. Vous pouvez être en mesure d'envoyer 5 dollars. 10 dollars, 50 dollars ou 20 dollars au profit de ces mamans déplacées, de ces enfants orphelins délaissés dans des cas. Je vous appelle à faire un geste. Ils sont nombreux dans tous les cas. Même les quelques organisations humanitaires qui tentent effectivement d'apporter leur assistance à ses compatriotes ne parviennent pas à couvrir la demande. Voilà pourquoi je vous demande de tout cœur à pouvoir faire un geste à leur profit. Et ça ferait œuvre utile. C'est aussi ça la solidarité nationale. C'est aussi ça l'amour du Congo. Le militaire FARDC, nous les félicitons, nous les encourageons à pouvoir ne pas croiser les bras, à pouvoir plutôt s'inscrire dans la logique offensive plutôt que de chaque fois riposter aux provocations de l'ennemi. Nous félicitons tout de même la délégation présente ici à Goma et nous osons croire que la donne va changer. Nous appelons aussi, dans la mesure du possible, le chef de l'État, président de la République, à pouvoir aussi venir ici pour un séjour. Ça va essayer un peu de motiver la population du Kivu. Ça va essayer un peu de donner un peu plus de morale aux militaires FARDC. Le chef de l'État fait effectivement des voyages. Maintenant, là, il a été en Belgique. Il vient de prendre un autre vol pour... effectivement, il quitte en Belgique, il part aussi ailleurs. Je pense que c'est important pour lui de venir aussi vivre avec la population merci de Goma tel qu'il avait, il avait promis. Je suis sur le plus 243 Code Amboka 99 25 42 946. Merci. Je réitère 99 25 42 946, c'est mon numéro Airtel Money et vous pouvez aussi m'écrire sur WhatsApp. Merci mon frère Hangi, merci d'avoir accepté notre invitation sur Congo Live Télévision. Nous vous disons merci aussi d'avoir été là pour nos téléspectateurs parce qu'ils vous demandaient il y a longtemps, mais quand même ils sont contents de vous revoir. C'est plutôt moi qui vous remercie, c'était un grand plaisir d'échanger avec vous, très chers téléspectateurs. Nous restons ouverts à vos orientations, à vos suggestions et à des conseils. Mettez vos commentaires en bas de cette vidéo et restez scotché sur Congo Live Télévision. Bon week-end mon frère et à la prochaine pour un nouveau numéro. Pareillement, merci. Merci à tout le monde qui nous suit depuis partout à travers la République.